C'est depuis la campagne électorale pour la présidentielle 2018 que le leader du mouvement 11 millions de citoyens n'avait pas foulé le sol de l'Adamawa. Cabral Libi a trouvé le moment propice pour encore parcourir cette vaste région, à commencer par le département d'Umbéré où il a visité presque tous les villages. Son séjour dans la Vina s'ouvre par Darang, localité de l'arrondissement de Ngaoundéré 2. Cabral Libi y a installé les responsables de son mouvement et a inauguré le point focal du coin. Le bain de foule du petit marché de Ngaoundéré a été le summum de la satisfaction du coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens. Pour un homme politique, c'est toujours bien de se ressourcer. C'est la chaleur populaire, c'est la ferveur populaire qui nous maintient en contact avec l'objectif que nous voulons atteindre. Parce que qui est le destinataire de notre message? C'est toutes ces personnes que vous voyez tout autour qui sont dans ce marché. Je viens leur dire merci. À Darang, j'ai été particulièrement touché. Ces personnes de tous âges que j'ai rencontrées, qui ont envie de participer, qui pour certaines sont butées au problème que vous connaissez déjà, celui de la carte d'identité ou celui de l'acte de naissance, mais eux-mêmes se sont montrés très touchés par ma présence. La tournée de Cabral Libi dans l'Adamawa est une opportunité pour rebooster les inscriptions sur les listes électorales et son merci d'après élection est comme un arbre que l'on arrose pour obtenir bientôt des bons.